on y va. On y va dans les gros bars. Bon, la forteresse de Seine n'est qu'une formalité. Il n'y a aucune difficulté là-dedans. Je m'en vais vous le prouver. Bon alors, là il y a un piège. La question c'est, est-ce que je cours? Est-ce que je fais une roulade? Ou est-ce que je meurs? Alors, réponse A, réponse B ou réponse C? À votre avis. Courir, roulade, mourir. Ce qui me fait peur, c'est qu'on voit qu'il y a 4 renfoncements dans le mur quand même. Donc, ce qui veut dire qu'il y a 4 possibilités de fléchettes. Donc, si je cours, je risque de m'en prendre une. Si je fais la roulade en me relevant, je m'en prends une. C'est compliqué. Assez compliqué. Merci Solaris. Il est mort lui. Il y a un truc en haut là. Mais tout cela ne me dit rien qui vaille. Attendez, oh là là, je vais me faire avoir là. Est-ce qu'on tente le run total là? On va tenter le run total. Oh là, mais attendez, c'est chaud là. Comment je passe ça moi? Est-ce que je dois m'arrêter au milieu ou. Non, mon avis, c'est le run total. Le run total, les gars. Le run total. Je réfléchis. Je me concentre. Tiens, dans le cul. Une petite coloscopie pour notre ami. Alors là, tu sais pas si tu peux y aller. On sait pas.
Voilà. On va aller voir ce qui se tramait en haut. Bon, il y a un passage là, il y a des passages partout, on ne sait où aller. Les flaques de sang ne m'inspirent guère confiance. Finalement, on va passer par le bas. Ah oui, non, c'était que pour ça. Ah, je suis obligé de passer en haut. Oh là là, parfait, un grand fragment de grosse titanite, c'est très très bien. Bon, qu'est-ce que c'est que ce passage de l'angoisse encore là? Est-ce qu'on va se faire attaquer par des... Ah putain, mais oui, voilà. La question c'est de savoir où il est. Il est où? Ah, il est là! Ah ah! Tu m'auras pas, Johnny. Attends que je te lope, toi. Merde! On va prendre les boules. Les boules sont plus rapides. Il a pris Féroce. Et voilà le travail! Bien joué, Milou! Parfait! Bon, j'espère qu'il y en avait qu'un. Ça a l'air bon. On va dire qu'il y en avait qu'un. C'est pas trop loin de tomber, les gars. Content de le run en un seul coup là. Putain, j'arrive pas à voir si je pourrais m'arrêter après. J'ai l'impression qu'on peut s'arrêter après. Hein. Ouais, on peut s'arrêter après, ok. Là. Ok. Alors par là. Il y a un piège là. Comment je vais faire? Le piège là. Putain, est-ce que si je suis comme ça me touche? Ah non, mais c'est bon, je l'active pas. Ah, c'est bon. Parfait. Il y avait que dalle. Et là, il y a encore ça, mais alors, ce truc-là. Bien. À mon avis, le feu n'est pas loin. Le feu doit pas être loin. Ah ok, d'accord, ok. Donc là on est dehors. Il va pas nous bombarder lui? C'est pas lui qui nous canarde? Si, c'est lui. Je sais plus. Ah non, c'est pas lui. Ah non, non. Non, lui c'est lui qui met les boulets. Ah! Non! Peu relou quand même cette forteresse de Seine. On va aller voir s'il n'y a pas les machins à choper par là. Donc on est là. Et voilà, là-bas il y a un truc. Ah, mais là-bas il y a un truc. Vous savez quoi? Je vais aller choper ce qu'il y a là-bas, tiens. C'est pas possible, putain. Il fallait courir. De toute façon, dans ce jeu, il faut toujours courir. Je sais même pas pourquoi je réfléchis à chaque fois.
Même quand tu connais pas le jeu, hein, faut courir. Faut toujours courir, courir, tout le temps courir. Ne jamais t'arrêter. Courir, courir, courir. Courir, courir, courir. Tu ne t'arrêtes que pour les boss. Hein, voilà. Courir, 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 boss. Courir, 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 boss. Courir, 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 boss. Courir, 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 boss. Merde. C'est là-bas qu'il y avait un truc, ouais. On va tenter d'aller choper ça. Il nous a pas vu, lui. Parfait. Ah, c'est qu'une âme. Oh, la faux! Mais pourquoi il nous aggro pas, lui? C'est un petit peu aucun sens, non? C'est normal, ça? Très étrange. Congé faire maintenant. Étant donné que je puisse revenir. Merde, le voilà. Bon, on va tenter de le combattre. Apparemment, l'autre il aggro pas. Ça n'a pas de sens, mais bon. Par contre, à mon avis, si je le touche, je vais l'aggro. Il nous aggro pas. C'est chelou quand même. Bizarre. En plus l'autre, ah mais l'autre il est là. Alors là par contre pour que je le tue, lui par contre il a bien un gros. What? Est-ce que je peux remonter au moins? Ah oui d'accord, ok. Mais non, il n'y a pas aggro. Ben, j'y comprends rien. Si. Peut-être là. On peut remonter là. What? On va regarder si la faux est sympa. Parce que dans mes souvenirs. Putain, il monte aussi le con. Je l'aurai pas. À cause de 2 de dégâts, ça va être compliqué. J'arrive où là? T'en arrives là où il y a les... Merde. Oh merde. Vous êtes nombreux les gars. Quoi? Mais quelle farce! Mais putain, fais ta roulade! Bon, c'est la merde. Ça va être compliqué. Il y avait un géant ici. Bon, il y a un petit peu cette faux. Ah là là, mais elle est plus... Ah non, d'accord, ok. Elle squalera mieux en dex que en force.
Ah mais c'est comme c'est en fait c'est une hallebarde quoi. C'est d'accord. Ça se joue comme les hallebardes. Hein. Avec ça, je pense que je peux toucher deux fois. D'accord, ça peut être pas mal ça, tiens. On va se reprendre la lance, mais c'est pas mal ça. Bon, mais là je me dis, est-ce que j'irai, est-ce que je tenterai pas d'aller là des fois? Parce que du coup, ça veut dire que c'est juste à gauche de l'entrée. Il doit bien dropper quelque chose, ce géant. C'est là. Je me fais tomber là. Je meurs. Ah non, je ne meurs pas! Ah ben d'accord, ok. Merde. Je meurs bientôt. On va se tenter le géant. C'est ce géant qui tirait les chaînes de la porte. Oh oui, c'est ça. On va voir s'il est coriace. Là, on est d'accord, je suis seul. Personne me suit. Hein. Personne me suit. Mais. Oh là. Je peux passer entre ses jambes, je sais pas ce qui est passé. Complicationné. Merde! Achète les sorts de Logan, il est juste à côté. Ben, il est pas au sanctuaire de l'Lichefeu, Logan. C'est pas juste à côté, hein. Et en plus, j'imagine que c'est des sorts, faut avoir genre 30 ou 40 en intelligence. Je te rappelle qu'on a 16 en intelligence. On n'est pas trop, on n'est pas très intelligent par chez nous. Alors, on va tenter. Voilà, ça c'est très très bien. Ça c'est bien. Façon, pour moi, je vais vous dire un truc. Je crois qu'il y a Mister Starway qui dit que quelqu'un a passé à penser à compter toutes les morts depuis hier. Franchement, toutes les morts qu'on a là, ça ne compte pas. Hein. Voilà. Je te dis pour information. Hein. Voilà, on n'est pas contre un boss, on est en train de faire une espèce de boss annexe. Que j'imagine personne ne fait jamais. Je vois pas comment tu peux comptabiliser ce nombre de morts. Hein. Avec le respect. Hein. Attention. Est-ce que je peux réussir à l'aggro pour lui balancer mes flèches de là à lui? Lock, 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 lock,
Lock, lock, lock. Putain de merde, mais d'où il sort? Oh putain de merde! Mais d'où il sort? Merde, j'ai foiré. Bon, du coup, j'imagine que j'en ai aggro un ou deux. On va attendre en haut le temps qu'ils arrivent. Ah oui, il est là. Il y en avait qu'un. On va dire qu'il y en avait qu'un. Bon, allez, on va se concentrer. Mais loque-le, bordel de merde! Tu te fais exprès? Mais loque-le! Eh ben putain! Il faut moins une grosse attaque. Ah
Ah, mais ça valait le coup. Éclat de titanite. C'est une grosse augmentation, ça. Voilà. Bon. Alors là, ce qui est énorme, c'est que vous voyez là-bas, qu'est-ce qu'on voit? Voilà. Ça vous rappelle quelque chose, ça? Le clocher avec le combat contre les gargouilles, qui, je le rappelle, nous avons first try. Hein. Pour ceux qui ne sont pas au courant, on a first try ça direct. C'était un combat magnifique. Bien. Faut qu'on puisse passer par là pour un raccourci. Ok, alors par contre maintenant comment on va redescendre? Ça c'est la grande question. À 2 millions. Comment je vais redescendre? À part là. On arrive où par là du coup? Ah ben on est au début. Ben voilà, on est au début. Allez, on est parti du début. C'est parti, c'est la fête. Allez, on va essayer de se manier. Merde. Bon, maintenant je sais où je dois aller exactement. Non mais ce qui nous plombait tout le bordel, c'était qu'à chaque fois, je... Alors est-ce que le boulet va partir? Tu sais pas. Ça va être le hasard. Hein. J'y vais direct. Même lui. Est-ce que le boulet est là? Oui. Allez, on est bon. J'espère que personne n'a suivi. Vous voyez, une fois que tu connais, ah c'est bon, hein. Tu first try tout, puis c'est fini, hein. The blague. C'était où qu'il fallait aller en haut ou en bas? Je sais... Non, c'était en haut. On va pas prendre de risque. Une espèce d'esquive d'ourson. C'est un petit peu du jamais vu. Genre, je l'ai raté. C'est cela, oui. C'est cela, oui. C'est cela, oui. C'est cela, oui. C'est cela, oui.
Donc. Ah voilà, bon bah là je vais run. Hein. Le feu est pas loin. Voilà. C'est là. Eh ben putain. Oh alléluia. 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 Ah mais d'accord, ok, c'est le feu qui nous ramène là, d'accord. Ok, bon, alors. Là, il y a un PNJ qui va nous attaquer. Oh non, je suis con, je peux pas le faire avec cette lance. Un PNJ va nous attaquer. Ah oui, d'accord. Il va me dire qu'il nous a planté. Planté ! Tu veux vraiment la jouer comme ça ? Fort bien. Boum! Bon, on va y aller. Et bien voilà. Voilà. Et il nous drop sa rapière. Je m'en rappelais. Et je crois même que c'est une très bonne arme. Alléluia. 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 Je crois que c'est pour restaurer la vie, non? C'est une des options qu'on peut, un des items qu'on peut prendre au début du jeu quand on prend un personnage. C'est ça. Rend tous les PV et pénalités effacés. Bon. Et il y a un anneau sacrificiel rare. Et du coup, la rapière est pas mal, il me semble. En plus, à mon avis, ça doit être basé sur la Dex, non? Vu que c'est une rapière, ça ferait sens. Elle est où? Elle est où, cette rapière? La rapière de Monsieur Ricard. Ricardo. Eh oui! Putain, en plus, il faut 20. Il faut 20 en Dex. Ce qui veut dire que je pourrais l'utiliser. Et vous savez quoi? On vient peut-être de trouver notre prochaine arme. Peut-être qu'on va zapper notre kakana. J'ai retrouvé mon kakana. Peut-être qu'on utilisera la rapière de Ricard quand je mettrai 20 en Dex. C'est-à-dire très bientôt. Ah oui!
Peut-être qu'on fera ça. Bon, attention parce que le boss est pas loin, hein. Le boss n'est point loin. Trop facile le jeu avec la hallebarde du chevalier noir. Mais disons, le problème c'est qu'au début, si tu as quelques astuces, tu peux vraiment avoir des armes pétées, hein. L'épée draconique. En coupant la queue du dragon, tu te détruis toute la première moitié du jeu. Hein. Parce que tu tues tous les ennemis en un coup, hein, à part les boss. Mais même les boss, quoi, tu leur mets 5-6 coups et c'est fini. Je comprends pas où est le fun en fait à jouer avec une arme cheatée des. Je viens de là. Par là. Et qui me canarde? C'est lui! Oh, il peut tirer là. Ça m'étonnerait qu'il puisse tirer là, sinon il l'aurait fait. Bah alors, on peut pas tirer là, mais c'est pas très mignon, ça! Il nous envoie des méga bombes! Qu'on peut sauter là-bas. Je crois bien qu'on peut sauter là-bas. J'ai pas envie de perdre mes âmes, donc vous savez quoi? Avec M5000, on va revenir au feu 2 secondes. Putain, je fais mon palais. Est-ce qu'il faut combien d'âmes là? 6000. On va utiliser quelques âmes que j'ai en réserve. Genre ça. Combien il fallait exactement? 6600. Merde, c'était plus que ce que je pensais. C'était pas les bonnes, c'est pas grave. Voilà, on se met 100 dex. Ah mais ça y est, je suis à 20. Ah mais j'étais à 19. Ah mais ça y est, du coup je peux l'utiliser la rapière. Ouais. Ben là je peux l'utiliser. Bon le souci c'est que vu qu'elle est pas améliorée, forcément, ça va pas être très intéressant. Mais possible que ce soit ma prochaine arme ça. Elle est en haut. Faudra qu'on fasse le tri dans tout ce bordel là. Bon, c'est une rapière, ça s'utilise comme ça, c'est que des coups d'estoc, hein. On est d'accord. Voilà, ce qui est cool c'est que quand tu fais ça, il fait 2 coups. Il fait 2 coups forts à l'affilée. Et tu peux l'enchaîner, voilà. En fait, c'est ça qui est pété. Il fait 2 coups forts à l'enfilé. Il peut faire comme ça 5 coups. Alors, ok, ça te vide ta barre de stamina. Mais c'est hallucinant comment ça fait des dégâts, ça. Je pense que je prendrai celle-là, dès qu'on l'aura améliorée, à mon avis. Moi, je pense que ça va me plaire, ça. Ah oui. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que je peux faire l'arme magique avec... Ah oui, je peux! C'est parfait, ça. Ah là, on va tout péter avec ça. C'est parfait. Allez, pour l'instant, je remets ma lance de foudre. Et je pense qu'on prendra ça. On va laisser tomber le cacana. Le caken. Bon. Du coup. Il y a un passage par là aussi. Mais ça c'est que pour des conneries, non?
C'est les items, ça. Ah, mais voilà, ça va, toi? Putain, je n'avais pas mon bouclier. Seulement 55? Tu es sérieux? Qu'est-ce qu'il fait? Tu viens ou tu viens pas, toi? Aucun sens. What the hell? Aucun sens. Oh! Excellent! Il nous drop un grand fragment de titanite. Voilà, et je fais une émote sans le vouloir, une fois de plus. J'ai fait une émote sans le vouloir. Comment je n'ai pas pu le backstab? C'est un mystère. Allez, un bon truc là. Ah, je pense que c'est pour la protection contre le feu, certainement, ça, non? Ah ouais. Est-ce que ça pourrait nous être utile? C'est 50 au feu, non? Ouais, 50 au feu, c'est pas énorme quand même. Si c'était plus 100 en feu, déjà ce serait plus intéressant. Mais c'est vrai que 50, est-ce que ça a vraiment une utilité, quoi? Je m'interroge, voyez-vous, je m'interroge. Ah, par contre, là-bas, il y a un truc à choper. Ah. Comment je vais aller à côté? Il faut se laisser tomber. Là. C'est intéressant, ça. Comment je vais là exactement? Attendez. Comment je... Ah, c'est de là-haut qu'on se laisse tomber, sans déconner? Non. Putain, je dois me laisser tomber de là-haut. Apparemment, c'est ça. Oh là, attends. Attendez, je viens d'où? Je viens de là. Ok, go. Qui nous balance sa merde, lui. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, c'est bon, il balance là-bas. Ok. Donc là, je me rappelle très bien qu'on peut passer par là. Ok, donc le boss est par là. Mais je sais que je peux aller de l'autre côté. Je peux aller par là. C'est juste que là, c'est un saut délicat. C'est un saut délicat, là. Ah non, il y avait un PNJ. Alors qu'est-ce qu'il vend lui? Ah, il vend des bombes incendiaires noires. Ah ouais, quand même. Et ça, récupération d'endurance brièvement accélérée. Il nous vend des fragments de titanite. Plus cher que Monsieur André. Loul, ça n'a aucun intérêt.
Combien il pèse ce bouclier? Oh, attendez, il est pas mal du tout là le bouclier, regardez. Équilibre 63. Et physique 100. C'est pas mal ça, non? Poids 4. Et attendez, ce serait pas vraiment bon ça. Et l'écu, mais les... voilà, l'écu, certes, il est encore mieux. Mais l'écu, il pèse 13 kilos. Celui-là, il pèse que 4 kilos et 63. Ça me paraît vraiment très 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 bien ça. En plus, il vaut que 4000. Et j'ai envie de me le prendre, hein. Pour 4000 âmes, ça vaut que dalle en plus. J'ai bien envie de le prendre. Ah, donc c'est lui qui vend l'armure de Katarina. Bon, je vais pas la prendre, de toute façon, ça coûte trop cher pour moi. Les armures à acheter, on va laisser tomber. On n'a pas les moyens. D'accord, ils ont aussi ça. Ouais, ça n'a que peu d'intérêt tout ça. Par contre, je me tâte à prendre le bouclier de Balder, sérieux. J'ai pas assez d'âmes, mais oubliez pas que je peux mettre mes âmes. Bien sûr que si, j'ai assez d'âmes. Vous avez oublié que je pouvais faire ça ou quoi? Aïe 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 aïe. Ça, vous avez bien vu ce que j'ai fait tout à l'heure, non? On va le faire. Par contre, je sais pas quelles sont les âmes. À mon avis, âme héros, c'est le mieux. Ça donne combien? On va le prendre. Go along, try and make something, but nothing will come. Truc totalement useless. Putain, il fait une chaleur. Bouclier araignée plus facile de parer avec. Pourquoi ce serait plus facile de parer? Où est-ce que tu vois ça? C'est marqué quelque part ça? Moi ce que je vois c'est que l'équilibre il est mieux avec le bouclier de Balder. Hein. Je le prends. Hein. Ah non, il fait une chaleur de ouf. Hein. On va tous clamser. Question de moveset. Tu le sais par expérience. D'accord, ok. Ah mais il fait une chaleur de fou aujourd'hui. Bon, on est proche du boss. Les boucliers de Balder, on peut les farmer sur les Balder justement. Non, c'est un peu useless. C'est que 4000 âmes. Calmez-vous. 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 On va où là? Ça me fait peur.
Mais où allons-nous? Parce que le boss est pas du tout par là. Hein. Où allons-nous? Où allons-nous? Y a quoi par là? Oh là! Mais il y a un vilain. Est-ce qu'il résiste à l'électricité, ce bouclier? Pas vraiment, hein. Et bon, les autres non plus, donc on s'en fout. Ah, mais le voilà, tiens. Alors, combien il a pris, là? Ben voilà. C'était marrant, il était doré. Clé de la cage. Ah, mais non, c'était la cage pour Monsieur Logan, d'accord. C'est pour ceux qui n'ont pas le passe-partout de Fort Boyard. Fallait venir ici pour choper la clé et remonter complètement pour libérer Monsieur Logan. D'accord. Bon, on va se tenter le boss avec 4 fioles. Par contre, l'autre là-bas, il va nous emmerder là. Vas-y, balance là ta bombe. Tu la balances pas? Bon, on va run en essayant de pas tomber. Ah, attendez, c'est pas de là que je peux atteindre l'espèce de truc que j'avais vu. C'était où? Ah voilà, c'est là. Mais si, c'est là. Mais je vais pas mourir là? Regardez. Eh. Putain, c'est là que je me dis qu'on aurait dû prendre le sortilège qui nous permet de prendre moins de dégâts quand on tombe. Parce que là, si je tombe là en bas, je sais pas en fait. Est-ce que je meurs? Est-ce que si je tombe de là, je meurs? Parce que ça me paraît vraiment. Vraiment bas. Alors, vous avez vu ce qui est excellent, c'est qu'on voit carrément comment les boulets ils arrivent. Tu vois le PNJ, le géant là, qui ramasse les boulets un par un, qui les fout dans le bordel. Et c'est comme ça que tu comprends le système des boulets. C'est mort, ne saute pas. Ah, c'est pas de là qu'il faut sauter. Bah, il faut sauter d'où alors? J'arrive pas à comprendre. Mais en saute d'où, faut aller voir l'autre géant qui est là? Comment je suis censé aller en bas exactement? Je ne comprends pas. Alors, il me semble que tu prends moins de dégâts de chute à poil, après ça me semble quand même haut. Chute contrôlée ne marche que pour les sauts qui ne te tueraient pas mais t'infligent des dégâts. D'accord. Mais non, mais quelqu'un m'a dit qu'il fallait pas sauter de là, mais alors il faut sauter d'où? Ou alors il avait dit des conneries, c'est peut-être ça. Alors, si, c'est bien là. Ah, maintenant c'est là, putain! C'est possible cet endroit. Ben c'est soit c'est là, soit c'est pas là de toute façon. Bon, ben écoutez, apparemment je prendrai moins de dégâts si je perds mon si je bon j'ai viré du coup mon stuff. Ça me paraît un peu bizarroïde, mais bon. C'est au niveau du poids, j'imagine. Bon, j'enlève le bouclier aussi. J'enlève tout. Je sens que je vais crever avec ces conneries. Bon, je laisse juste ça. On s'en fout. Qu'est-ce qu'on est beau! Bon, je sens mal. Hein. Ça sent clairement la défaite, cette histoire-là. Ah non, c'est bon. Parfait. Ah non, c'est pour une arbalète pourrie! C'est pour une arbalète. Bon. Mais en fait, on ne meurt pas. Parfait. Alors, on reprend. Elle est où ma lance? Ma lance de foudre. Ici, il faut mon bouclier du gros balder. Ici, il faut mon casque simple. Là, il faut. Ok, voilà, on est bon. Let's go move out.
Go boss. Il me semble qu'on peut le tuer, le géant là. Et peut-être qu'il nous filera un éclat de titanite comme l'autre. Donc ça peut être important. Voilà. Là, il y a deux chemins. Il y en a un, c'est pour le boss, et l'autre, ça va être pour aller au géant. Du coup... Si je vais par là... Ah, on peut utiliser les cages pour descendre en bas, c'est un ascenseur. Alors, ça doit être par là pour le géant, non? Attendez. On va où, là? Ça doit être par là. Mais what? Attends qu'il refasse. Refais-le. Alors, okay, donc le boss doit être là, et le géant, ah voilà, le géant il est par là, c'est parfait. Merde! On va se démerder là, il est en aggro. C'est bon, il est allé là-bas. C'est bon. Ah mais bah, parfait. Ok, c'est parfait, il en drop un second. Bien. Je crois qu'on est ready pour le boss. Putain, les boulets, tu les casses comme des coquilles d'œufs. Hein. Bien. Par contre, je me dis qu'en bas, il y avait un autre chemin, là où il y avait l'autre. Peut-être que j'ai raté. Et là, il y a quoi, du coup? Attendez, je viens de là. Mais non, je viens de là-bas. Alors, du coup, il y a quoi par là? Attendez, je suis curieux. On va aller voir. Voilà, c'est normal que je mette du temps. Étant donné que... Il n'y a rien ici? Pas possible. Mettre droit devant. Attendez, c'est quoi cet endroit là? What the hell? Eh? Y'a rien ici? Tiens.
Il y a un truc que j'ai raté là-dedans, c'est bizarre. Étrange. Faut que je te mette en humain, tu pourras invoquer un PNJ. Ah, on peut invoquer un PNJ si on est humain ici, d'accord. Mais il sert à quoi ce PNJ? C'est pour nous aider pour le boss ou pour autre chose? Bon, de toute façon, on s'en fout. Bon, allons-y. À mon avis, la foudre, ce sera pas mal sur le boss, là, vu que c'est un golem d'acier. On va quand même réfléchir, on va se remettre la vie. Par contre, j'aurai que deux fioles, donc loul. Voilà, arme magique. On va le faire dès le début, d'ailleurs. Ah, mais non, je suis con, je peux pas. Eh oui, il est con. Je vais juste prendre les boules. Go. Ah, c'est pour le boss. Ça m'intéresse pas. On n'utilise pas d'équipier ici. C'est pour les petits joueurs. Pas génial les dégâts. Oh là là. J'y vois rien. Oh, je suis foutu. Ah, c'est con. Il m'a attrapé. Je me rappelais qu'il pouvait faire ça. Il nous a ballardé comme une vieille boulette. Bon, heureusement, il est pas bien loin. On a pas non plus un chemin catastrophique. Par contre, je sais pas si je faisais beaucoup de dégâts. Je pense que si. Hein. Je pense qu'au niveau dégâts, on n'était pas trop mal. Ça me semble correct. Ça me semble correct. Avec la lance de foudre. Alors du coup, je vais quand même aller voir à gauche, là, parce que ça m'intrigue. Qu'y a-t-il par là? Ah. À part toi, bien sûr, qui va nous emmerder. Voilà. The boulet. J'aurais dû utiliser les sorts, ça aurait été plus vite. Hein. De toute façon, là faut pas que je l'attaque, sinon il va parer. Il n'y avait rien.
Loul. Il n'y avait vraiment rien. Tiens. Je peux peut-être y aller là, non, il n'y a rien à choper par là. Il est pas mort! Mais il n'y a pas un truc à choper si je tombe en bas là? Sérieux? J'ai envie d'aller voir. Bon, j'ai tenté. Ça m'intrigue, juste pour voir. Oh non, il est parti! Hein? Il a disparu. Mais il est tombé ou quoi? Rien compris là. Mais il est tombé l'autre? Bon, on va voir. Mais what? Je suis où là? Ah mais merde, c'était en bas ça? On arrive où là? Donc on peut aller là, mais ça sert à rien cet endroit. Étrange. Mais je suis où là? Ah, je suis là. Il y a que dalle ici. Ils ont oublié de mettre un objet ici. Hein. Loul. Bon allez. Attention, on se concentre. Ah mais on le voit de là. Je me demande si on peut le bourrer avec un arc. Ça serait marrant, tiens. Voyons, je vais tenter de rester à distance pour voir si je peux l'avoir avec ça, juste. Juste pour voir. Est-ce que c'est autorisé ou c'est interdit par la Convention de Geneviève? Ouais, c'est pas grand chose. Oh, il m'a eu quand même, c'est pas possible. C'est quoi cette attaque? Bizarre.
Bien, 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 bien. Ah ben les âmes, c'est foutu, hein. Ce sera pour la prochaine fois. Bon allez, on va faire un vrai try. Bon, jusque là on rigolait, vous savez ce que c'est. On rigole, on met l'ambiance. Maintenant on va jouer sérieusement. Attention. On va le faire venir là. On s'entendra peut-être un petit peu moins. Elle est petite cette arène. Cette arène est petite. Bon. Cette arène est très petite. Non ! Ah oui, il fait trop chaud là. Il fait trop chaud pour streamer. Comment ça se fait que là-bas je ne tombais pas quoi? Et là j'ai réussi à tomber alors que l'arène elle est 4 fois plus grosse que là-bas. Ouais, effectivement, je vais peut-être ne pas le loquer. Quelqu'un m'a dit ça sur le chat. Ça m'a l'air bien mieux comme ça. Viens là, espèce d'enfoiré. Qu'est-ce qu'il fait? Putain, il a vacillé. What? Qu'est-ce qui lui arrive? Mais loul. Putain, je l'ai fait tomber, dis donc! Excellent, ça!
Je suis protégé, mais le souffle m'a emporté au loin. Ça m'a mal vieilli. Ça me rend triste de le reconnaître. Et je ne dis pas ça parce que je perds, attention. Ça n'a absolument rien à voir. Vous me connaissez. L'honnêteté avant tout. C'est quand même dingue que les boules de feu du chaos fassent plus de dégâts, deux fois plus de dégâts, si j'ai bien vu, que mon sort de magie le plus puissant, quoi. On va le faire venir. Il va tomber. On va le bourrer sur son gros mollet. C'est son talon d'Achille. Ah, oh, il est pas tombé le con. Oh merde. Tombé. Oh, ce PGM. C'est là qu'on va où est la skill. Et sans utiliser de sort, s'il vous plaît, même pas les boules de feu. Ah, mais là, c'est pour aller. Ah, ben alors, attendez, alors là, je vais me la fermer du coup. Et donc là, voilà, là il va se passer quelque chose du coup. Il va se passer quelque chose. Je vais voir s'il n'y a pas des trucs à choper par là-bas. La mur illusoire ici, ça aurait été un petit peu du gros kikou quand même. Putain, on est enfin parvenu à la fin de la forteresse de Seine, les putains. Ah mon dieu. Non mais c'était quand même bien, non mais. Quand je dis que c'est de la merde et tout, je rigole. En réalité, c'est juste monumental. Rendez-vous compte, le machin, il est là, il n'y a pas de temps de chargement, il est ancré dans le monde. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte que ça, c'était... Ça, c'est un jeu de l'ancienne génération et ça atomise tout ce qui se fait encore aujourd'hui. Mais c'est complètement sidérant. Rendez-vous compte de ce qu'on voit là.
Rendez-vous compte de la topographie. Non, et voilà. Donc, quand je dis que c'est de la merde, évidemment, je plaisante. Ah, je le dis pour les deux ou trois au fond qui n'auraient pas compris. Voilà. Bon. Attention. On se la ferme. Et là, il se passe quelque chose. L'une des rares cutscenes du jeu. Attention! Et voilà. Et là, on se dit qu'il se passe quelque chose. Ils ont carrément mis un trophée. Hein. Mais regardez-moi ça enfin! Parce que c'est visitable. Hein. On va vraiment aller dans cette espèce de cathédrale là-bas. Y'a rien à dire. Bon, par contre, là, il faut pas que je meure. Hein. Là, le truc, c'est que, bon, le feu, je me rappelle très bien où il est. On a juste des géants à battre. Mais je pense que je vais essayer de slalomer entre les espèces de gardiens pour atteindre le feu. Mais je me dis que... Mais attendez, mais non, parce qu'il faut que j'aille à un forgeron. Ah, mais non, mais il y a le forgeron là, mais il est hyper loin, le forgeron géant de Anor Londo, putain. Il est dans la cathédrale, je sais même plus où il est exactement, il faut le trouver. Ça va être un bordel monstre, je risque de perdre mes âmes. Bon. On verra bien ce que ça donne. Je suis d'accord avec toi, le truc le plus haut dans Dark Souls, je trouve, c'est d'admirer un panorama, de voir une marque orange loin. Et de se dire, ah, mais en fait, on peut aller là. Ah oui, mais c'est ça, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, il y a aussi l'ambiance. C'est un truc de fou. Non, non, mais oui, c'est incroyable. Bon, je vais essayer de ne pas mourir, par contre, parce que là, ce serait un peu une catastrophe. De mémoire, les gardiens sont pas hyper balèzes. Hein. Ceux-là. Et en plus, vu qu'ils ne bougent pas, je me dis que je vais pouvoir les friter de loin. On va tenter. On va voir. On va se mettre comme ça, comme ça. On va tenter de le lock vite fait. Et avec du bol, sur un malentendu. J'arrive pas à le locker, hein. Tout est normal. Mais lock-le, espèce de satanas. What? Pourquoi ça va déloquer? Oh là là là, son bouclier partout. Oh merde, bon. Très bien. Je peux même plus passer maintenant. Oh mais c'est pas possible, je peux même pas passer. Merde. Merde! Peut-être qu'il va reboot si je vais en Renault. Ok, il se casse. Ah oh, mon Dieu. De toute façon, je peux toujours revenir avec la gargouille là. J'aurais dû y aller directement. Apparemment, il a reboot.
Le voilà, tiens. Loul! On va aller au feu direct. Bon, le seul reproche... Ah, voilà, et en haut, c'est les archives du gros duc. Le seul souci ici, c'est que c'est un petit peu vide. T'arrives là, tu te dis, c'est magnifique et tout, mais... C'est quand même un petit peu vide. Bon. Je sais plus à quoi il sert celui-là. Je n'ai pas d'âme. Ah mais c'est juste un gardien. Ah mais je pourrais presque le tuer pour avoir une âme de gardien du coup. On va pas le tuer mais bon. Bon. Ah mais attendez, ce feu donne 10 fioles. Ah mais c'est merveilleux ça. Mais c'est merveilleux. Essayez postérieur. Qu'est-ce qu'il raconte lui? Qu'est-ce qu'il a le postérieur? Bon, qu'est-ce qu'on fait là? Parce que si je vais là-dedans, je risque vraiment de crever. Est-ce qu'on tente vraiment d'aller voir le géant? Je me souviens plus si les géants sont vraiment durs ou pas. Alors, je me rappelle qu'en fait, je me les faisais avec la boule de feu, moi. Et là-bas, il y a un coffre, donc il faut que je me les fasse, dans tous les cas. Si j'en ai gros que un, ce serait pas mal. La doublette. Ah, il est mort. Merde. C'est con. Ah, merde, je vais le rater. Je vais le rater. Bon, on va se tenter à la loyale, on va voir ce que ça donne. Je fais un seul coup. Je me souviens plus du tout, en fait, leur pattern, du coup, c'est compliqué. Combien je fais de dégâts? J'ai pas vu. -45 et 120, j'ai l'impression. Bon, ça va, ils sont pas hyper hard. Alors, vous avez dit c'est la chaîne, donc du coup là c'est pas un mimique. Une titanite scintillante. Et là, ah, mais là c'est un mimique, tiens, voilà. Ça c'est un mimique. Bon, ben, on va essayer de se le faire. Coffre d'un mimique qui nous tue. La boulette du siècle. Mais qu'il est con. Mais pourquoi j'ai essayé de l'ouvrir? N'importe quoi. J'aurais dû mettre un anneau. Bon, pas de panique. Pas de panique. C'est incroyable. Je sais même pas ce qui m'a pris. Pourquoi je l'ai ouvert ? Je pensais en fait qu'en ouvrant le coffre, il allait juste venir, mais je pensais pas qu'il allait m'attraper, vous voyez. Je pensais pas qu'il allait me tuer comme ça. Je pensais juste que, ah, mais ça y est, je pensais qu'il allait popper. Voilà, je me suis dit, bon, mais il va popper, mais je pensais pas qu'il allait me bouffer directement. Je me souvenais plus de ça, putain.
Bon, là, faut surtout pas que je crève. Ce serait une sorte de catastrophe internationale, on peut le dire. Ça lance mal. Je vais mourir. Et je vais aggro l'autre pour piquer les âmes. Non. Non, je vais d'abord essayer de me faire lui. Je pense que c'est faisable quand même, faut pas déconner non plus. Non. J'ai touché. Oh, allez. Bon. Alors, on va tenter de se faire le mimique. Loul. Mais on va quand même revenir par là-bas hein, pour être plus safe. Et ben voilà. Hallebarde de cristal que nous ne pourrons pas utiliser. Oh, c'est pété ça. Oh. Mais c'est tellement pété ça, sans déconner. Regarde, oh, usure 20 sur 20, donc... Tu peux t'en servir une fois sur un boss, quoi. Bon, par contre, comment je vais me démerder, là? J'ai 50 000. On va revenir, hein. On va revenir. Hein. Est-ce qu'il cache un truc, lui? Ah, mais non, c'est l'entrée. Ah, il bouge pas, lui? Ah bon? Non, ça...
Il est en route sur cette attaque là. Ah, ça c'est mieux. Bon. Je vais juste voir ce qu'il y a ici parce que de mémoire, voilà. De mémoire, faut pas du tout passer par là. Donc au moins comme ça, j'aurais fait ça. On n'aura pas à venir là, mais je pense que c'est juste l'entrée de la bibliothèque ici. Bon, je sais même pas s'il y a un seul truc. J'espère qu'il n'y a pas contre d'ennemis. On va faire attention. Ah non, c'est ça. D'accord, je peux pas y aller ici. Scellé par le pouvoir du grand seigneur. Bon. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Cinquante mille âmes, il faudrait quand même revenir. Hein. Je dois pouvoir me faire au moins 6 niveaux avec ça. Peut-être plus. Mais bon, ça veut dire que... Ah mais non, c'est qu'il y a l'ascenseur. Ben oui, il y a l'ascenseur. Du coup, si je prends l'ascenseur... du bordel... Je pourrais revenir... Et les coffres là-bas aussi? Je vais vous remettre mes boules de feu. Alors ce qui est bien par contre c'est que ce feu donne 10 de base. Hein. Du coup on n'aura jamais eu à embraser un seul feu. Et je dois avoir plein d'humanité alors, non? Parce que j'en ai jamais utilisé, ou très peu. Ah oui d'accord, 15 et... On a 25 humanité, hein. Faudrait vraiment que je les utilise. Mais je veux les tuer moi ceux-là, je vois qu'il y a un coffre derrière, voilà ce que je fais. Je vais essayer d'en aggro que 1. On va d'abord faire celui-là, là. Si je fais comme ça... Voilà. C'est pas énorme, hein, 148. Bah. Faut réussir à viser. Ah merde, quand il a pas son bouclier, mais c'est pas si simple. Il y a un coffre. Il faudrait quand même pas qu'on va partir d'ici sans le coffre, non? Mais lock l'autre! Ah merde. Oh là là, en plein sur le bouclier. Parfait. Mais non, pas quand je me soigne.
Non, il m'a touché de là. Portée. Quoi? C'est impossible qu'il me touche comme ça. Et allez. De mémoire, c'est pas bien du tout ça, là, le bar du géant. Je crois que c'est un mauvais moussette et tout. Bon! Oh, je l'ai raté. Incroyable! T'as fini le jeu avec cette hallebarde. Mais non. Bon. Titanite du gros démon. Allez, on va rentrer au gros bercail. 55 000 âmes. Quand même pas déconner. On va voir ce qu'on augmente. Comment ça, l'autre coffre? Comment ça, aller au feu? Pourquoi j'irai au feu? Ben, je vais voir André, non? C'est pas ça qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il me raconte? Ça va faire la même durée que Mario Odyssey, mais en live. Mais non. La seule nouveauté du remaster que je sache, c'est le fait de pouvoir laisser appuyer sur bas pour atteindre le premier objet du raccourci. Ah, c'est ce qu'on a essayé de m'expliquer hier, mais trop compliqué. Mais non, il y a le raccourci pour la forteresse de Seine. Pourquoi je vais pas mourir? Il n'y a aucune raison de mourir ici. Pas de panique. Bon, faut passer par où? Merde, il est toujours là lui. Attendez. Il faut passer par là du coup.
Il s'agirait de ne pas tomber, n'est-ce pas? Quoi? Il a repop l'autre? Ah mais il repop lui? Putain, mais, attends, mais je pensais pas qu'il repopait lui là en bas. Le chevalier là. C'est-à-dire que tu peux le farmer alors. Voilà, c'est ici. Voyons. Tu peux y aller là, c'est ça? Voilà. Merde, il y a un bonhomme. Je suis où là? Oh merde. Oh. Oh. Je vais y crever. Allez. J'ai failli crever. Du coup, ce que j'ai fait en fait, c'est que je vais pas prendre le feu comme ça, si je prends le feu. C'est pas grave. Bon, par contre là, c'est maintenant qu'il faut que je réfléchisse si je garde le kakana ou si je fais la rapière du gros Ricard. J'ai envie de prendre la rapière, juste pour le fun, parce que j'ai jamais joué avec ça. Mais je pense que c'est plus fun, je sais pas, moi je pense que ça va me plaire. Le coup de la rapière, je sens que ça va me faire marrer. Alors, modifier équipement. Ah mais si, je peux l'améliorer. Putain, vous m'avez dit que je pouvais pas améliorer la lance de foudre, là. Ah non, c'est une amélioration de merde. Ah, mais d'accord, en fait, on peut l'améliorer, du coup, ça va squaler. Ça va squaler en force et en dex, mais elle va perdre ses dégâts de foudre. Voilà ce qu'on peut faire. Du coup, ça devient une lance pourrie. Voilà l'explication. Pourquoi je peux pas améliorer... de la rapière là. Ah, c'est comme ça. Allez go. Rapière de Monsieur Ricard. On va faire ça. Allons-y. Donc, go. Go. Alors du coup il me faut des fragments de titanite. Au moins 6 à mon avis. Encore une. Alors, voilà. Et donc là, pourquoi ça me propose pas J'essaie de comprendre pourquoi. Pourquoi ça me propose pas le katana là, à améliorer, je comprends pas. Vous voyez ce que je veux dire? Je pige pas là. Le Ushigatana, pourquoi il est pas ici, que je puisse l'améliorer également, vous voyez? Il est pas dans la liste. C'est bizarre, il devrait être là aussi. Ça me propose de le rétrograder, ce qui n'a pas de sens, hein. Mais là, ça me propose pas. Je comprends pas.
attendez. Le katana est déjà amélioré à plus 6. Il faut le renforcer. C'est-à-dire le renforcer. Renforcer. Ah, mais d'accord. Ah oui, d'accord, ok. Ah, c'est bizarroïde. D'accord, ouais, c'est bizarrement fait. Ok, bon, c'est pas grave. Bon, en tout cas, là, on est d'accord que c'est bien ce qu'il faut faire. On est bon. Donc, voilà, rapier niveau 6. Avec une grande titanite, on fait ça. Et donc, en fait, là, il faut plus aller là, il faut aller dans renforcer armes. C'est un petit peu bizarroïde quand même. Hein. Donc là, on continue. On est bon. Voilà, là il en faut deux, donc on est bon. Ce qu'il faudrait, c'est qu'Andex, le squalling passe au niveau A. J'espère que c'est le cas quand on fera les modifs de haut niveau, vous voyez, au niveau de la Dex, je veux dire. Donc, hop, hop, niveau 8. Ah, c'est parfait, je peux encore en faire un. C'est nickel. On passe à niveau 9. Et voilà. Et si je le mets à niveau 10, eh bien il nous faut encore deux grands fragments de titanite. Bon, ben là on n'est pas trop mal, non? Bien. J'ai viré plein de trucs que j'ai dans mon inventaire parce que là c'est une catastrophe. J'ai beaucoup trop de trucs. Comment je fais? Ah mais non, c'est au feu que je dois faire ça. C'est vrai que c'est au feu. Ah mais je peux acheter l'emblème d'Artorias, déjà ce sera fait comme ça. On va faire ça. Voilà, comme ça. Ouais, ce sera fait. Emblème d'Artorias, ça c'est bon. Bon, allez, ensuite on va quand même se mettre. Voilà, mais c'est bon en fait avec lui. C'est tout ce qu'il y avait à faire. Bien. C'est B Max Index. Ah merde, il pourra jamais aller en A. Ah putain. Je suis déçu. Bon, et alors maintenant, on peut se faire 3 niveaux, tiens, voilà. 3 niveaux, on va réfléchir. La flamme de pyro. Ah oui, c'est vrai que je peux augmenter la flamme de pyro, mais est-ce que... Tu crois qu'il vaut mieux que j'augmente la flamme de pyro plutôt que mes stats? Tu crois vraiment? Attendez, la flamme de pyro... C'est que pour les 4 boules du chaos, là, hein. Je crois que c'est vraiment mieux. Est-ce que c'est avec lui que j'augmente la flamme au moins? Est-ce que je peux l'augmenter avec lui? Je sais même pas moi. Comment ça marche? Mais non, c'est même pas lui en plus. C'est pas lui hein. Je sais même pas comment on augmente la flamme de pyro de toute façon alors. Est-ce que il faut que je revienne voir l'autre qui était chez Kilag? Parce que c'était lui qui l'avait amélioré. Hein. Ça squale A plus 14 en fait, pardon. Je ne te pardonnerai jamais à ce nom. Jamais. Jamais. Pyro à liche-feu. Ah, c'est à liche-feu. Ah, mais vous voulez vraiment que je... Vous croyez que c'est mieux que j'augmente la flamme de pyro plutôt que d'augmenter mes stats? Juste pour les 4 boules du chaos pourri, là? Parce que c'est ça, en fait. Hein. C'est mieux, ça. Ah bon.
Bon, on va aller voir. Par contre, attends, où est le. C'est où le plus rapide pour retourner à l'Ichefeu? Je veux voir ce que le pyro il nous vend, juste comme ça, pour voir un petit peu, même si bon. Tout le monde dit des trucs différents. Monte ton int, monte ta vie, monte le gant de pyro. Moi, je vais aller tester ma nouvelle rapière. Attention. J'espère que c'est pas mal. On va vérifier ça. Je crois qu'il a compris à qui il avait affaire. J'ai raté la parade. 521, le backstab frontal! Popopo! Comment ça se fait que le chevalier noir, là, qui était là, le gros, il repop pas? Alors que celui qui était dans la forteresse de Seine, il repop. Mais c'est pas bien du tout, ça! C'est pas bien du tout. On va aller voir du coup Monsieur Logan qui doit être là effectivement. Et c'est peut-être pas le seul. On va voir qui c'est qu'il y a de nouveau au sanctuaire de la grosse lige. Alors là, il n'y a que lui. C'est là qu'il est Logan, je crois. Ouais, c'est ça. Alors. Qu'est-ce qu'il nous vend? Ah, mais c'est lui qui nous vend en fait les sorts au niveau, c'est bien ça. Hein. Ah, et voilà. C'est ça qu'il nous faudrait. La lance d'âme. Voilà, il nous faut donc un niveau 36 en intelligence et ça coûtera 40 000 âmes pour avoir la lance d'âme. C'est de ça dont on a besoin. Hein. Et oui. Masse d'âmes chercheuses. Et combien ça coûtait pour augmenter le gant de pyro là? C'est lui. C'est lui le pyro. Qu'est-ce qu'il a? Oh là, mais j'en sais rien moi, oui! Voilà, c'est bien. Ah voilà, c'est lui. Ah mais c'est hyper cher, à 5 500, juste pour faire un petit peu plus de dégâts. Vous voulez que je dépense mes 28 000 âmes, juste pour faire un peu plus de dégâts avec mes boules du chaos, quoi. Les gars. C'est pas sérieux, les gars. Pas sérieux. Achète l'anneau draconique à l'apprenti de Logan. Oh mais non, c'est que pour la sorcellerie, j'utilise quasiment jamais. T'as bien vu que les sorts, ils marchent une fois sur 50, putain. J'ai pas acheté, non plus je peux même pas, regarde. C'est qui son apprenti? Ah non, c'est pas lui. C'est l'autre qui était à côté, là. C'est lui. Ça vaut 20 000. Thank you.
Ah, l'anneau booste aussi les dégâts de la pyro. Ah, est-ce que t'es sûr de ça, Solaris? Est-ce que t'es sûr que l'anneau booste aussi les dégâts du pyro? Là, par contre, ça m'intéresse plus déjà. Oh, c'est compliqué, on ne sait pas quoi améliorer. On va tellement galérer sur Ornstein and Smog, ça va être une catastrophe ambulante. Tout le monde dit des trucs différents. Bon, par contre, apparemment, on a confirmation que l'anneau augmente aussi les dégâts de pyro. Donc ça, c'est intéressant. Je préfère prendre l'anneau à 20 000 plutôt que d'augmenter le gant pyro, sérieux. Hein. Vu que ça augmente les deux. Mais bon, le problème, c'est que je vais être obligé de virer mon... l'anneau d'Avel, quoi. Après, de toute façon, je pense pas que je vais pas jouer avec une grosse armure, donc bon. Tant pis si je suis pas non plus en roulade. Mais c'est vrai que c'est relou, ça. Ça, par contre, c'est relou. Hein. Putain. Enfin, je vire l'anneau d'Avel, quoi. Il aurait fallu que je fasse un full sorcier, finalement. Ah, bordel! Ça semble compliqué de faire un personnage complètement axé dextérité et complètement sorcier. Faut quand même faire un choix. C'est soit dex, soit sorcier, tu peux pas faire les deux. Enfin, si, ou alors il faut farmer comme un ouf et il faut être au niveau 100, ce qui n'a plus de sens. Hein. Ce que j'avais fait à l'époque d'ailleurs, mais ce qui n'a aucun sens. Bon. Allez, je prends l'anneau. C'est décidé. Voilà. Tant pis pour l'anneau d'Avel. On va faire 100. De toute façon, comme je vous disais, je compte pas prendre des grosses armures. Je vais quand même faire un test. Voyons. On va essayer sur les mobs du haut là. Alors voyons. Je mets pas mon bordel. Voilà, bravo. Bon, on retente. Loul. 329. Il n'avait pas le bouclier. Hein. Enfin... Mais loul! Moi faire mon test. Enfin. Ouais. 404. Voilà. 329 à 404. Donc effectivement, ça améliore bien le pyro aussi. Après, je pense pas que c'est ça qui va faire vraiment une différence sur un boss. Hein. Franchement, ça m'étonnerait grandement. Mais bon, pour le fun. Pour le fun de faire des gros dégâts. Ok, bon, et du coup, il me reste encore. On va augmenter la vie, parce que je n'ai pas de vie. Hein. Je n'ai pas de vie. Allez, un coup de vitalité pour atteindre le 13. Voilà. Ça ira très bien comme ça. Bon, du coup, on est à combien au niveau
Bon, je pense que pour la roulade rapide, c'est plus possible, mais c'est pas grave. Hein. Le jeu reste quand même bien jouable avec la roulade, la mid-roll, quoi. Voilà. Ça passe aussi, hein. C'est juste quand même un petit peu, évidemment. On est moins rapide, mais bon. Parce que là, du coup... Bah, quoi que, regardez, même sans l'anneau d'Avel, sérieux, en fait, il faudrait juste soit à moins de 25%, mais j'y suis presque, hein. C'est ça le pire. Ce qui est incroyable, c'est que... Parce que ça pèse combien, la rapière? Et oui, la rapière pèse que dalle. Même sans l'anneau d'Avel, il faudrait combien? Je suis à 70. 25% de 70. Ça fait quoi exactement? Parce que sérieux, je suis pas loin, en fait, d'être en fat roulade avec ces conneries. Combien il pèse, ce casque? 3,5. Admettons que je prenne ça. Est-ce que là, je suis en roulade rapide? Putain, là, je suis en roulade rapide, quoi. Vous vous rendez compte? Je réussis quand même, sans l'anneau d'Avel, à être en roulade rapide. Donc, en fait, c'est parfait. Finalement, l'anneau d'Avel, c'est une escroquerie. On n'en a pas besoin, voilà. Là, je suis bon, voilà. À 16,9, je suis bon. Après, évidemment, je pourrais jamais me mettre une grosse armure. Écoutez, moi, je trouve que là, franchement, on est pas mal. Hein. Sérieux. Moi je dis, là on est pas mal comme ça. Ça peut le faire. Là on a un vrai sorcier. Si là on n'a pas une dégaine de sorcier, je sais pas trop ce qu'on a. Hein. Bien! Très bien. Bon, on va faire une petite pause. Quelle heure il est? 7h30. Bon, moi je mangerai que vers 9h30, 10h. Donc, la pause bouffe pour moi ce sera plus tard. On va faire une petite pause, 10 minutes, et puis on revient après. Niveau combien le Hooper? Je vais te dire ça, niveau 34. 34, on va aller à Norlondo. Ça me semble pas mal comme ça, non? C'est très bien. C'est très très bien comme ça. Prends le capuchon brodé d'or plutôt. Mais qu'est-ce qu'il a? Ça vous plaît pas? Qu'est-ce qu'il a? Ah mais je suis gouré, mais c'est pas le full set du brodé ça? Attendez, qu'est-ce que j'ai brancouillé encore? Ah mais oui! Attendez, il est où? Comme il pèse? Ah mais oui, je peux le mettre en plus. Bien vu! Mais oui, voilà, c'est mieux comme ça. En plus, on est toujours en fat roll. On confirme que... Ouais. Ok, c'est bon. Voilà. Là, on est beau. Là, on a un vrai Nazgûl, putain. Le sorcier Nazgûl. Bon. Petite pause, 10 minutes. On va se rafraîchir un coup. Et la suite... Bientôt. Sur vos écrans.